salon du logement neuf pour la quatrième fois à Letourny. C'est un salon qui est uniquement destiné à recevoir les promoteurs immobiliers. Nous sommes nombreux. J'ai le plaisir de représenter Alain Juppé qui s'excuse mais qui viendra demain faire une visite de ce salon et de ses stands. Donc l'enjeu de ce salon, il est grand parce qu'il permet de montrer aux Bordelais tout ce qui est produit actuellement sur Bordeaux, avec des maquettes, avec des images, et de pouvoir échanger avec vous. J'espère qu'ils seront nombreux, je crois que le soleil est de la partie, et donc ça devrait être une réussite pour cette quatrième session. En tout cas, merci et bravo aux organisateurs. Aujourd'hui, on a 35 promoteurs immobiliers, représente finalement environ, je dirais, autour de 3000 logements. Ces 3000 logements se développent dans la quasi-totalité des communes de la communauté urbaine de Bordeaux. On est accompagné aussi dans ce salon par la communauté urbaine qui a ouvert un lieu d'exposition sur les grands projets intitulé « Où habiterez-vous demain ?». La ville 33 est fidèle au salon du logement neuf, qui est pour nous l'occasion de présenter aux habitants de l'agglomération et plus globalement aux Girondines et aux Girondins l'ensemble de nos activités, le conseil d'accession à la propriété bien évidemment, et également le conseil en matière d'investissement locatif. Le crédit foncier est spécialisé sur le financement des primo-accédants. Donc les primo-accédants, ce sont des emprunteurs qui achètent un bien pour la première fois. Donc on est spécialisé sur tout ce qui est prêt aidé, prêt à taux zéro de la CUB, et du passeport premier logement de la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux a mis en place un dispositif d'aide à l'accession à la propriété sur Bordeaux pour les ménages qui achètent pour la première fois en fait leur résidence principale. C'est une subvention qui oscille entre 3 et 6 000 euros en fonction de la taille du ménage, donc 3 000 euros pour un ménage seul ou un ménage de 2 personnes, jusqu'à 6 000 euros pour un ménage de 5 personnes et plus. Donc l'aide est attribuée sous conditions de ressources. Notre dispositif, c'est un prêt à 0% qui vient compléter la capacité d'achat des ménages de la CUM, qui s'adresse à tous les ménages de 2 personnes et plus. L'objectif, c'est de leur donner un petit coup de pouce pour pouvoir acquérir leur premier achat, donc dans le collectif neuf. Et effectivement, on peut leur prêter de 15 à 20 000 euros suivant la composition familiale. Et la communauté urbaine prend en charge les intérêts.